Yo les petits potos, c'est reparti. Allez, on y va, en route pour l'aventure. Banga! Ça a dû vous péter les oreilles, ça. Je vérifie juste le son. Ah putain, casse les couilles à chaque fois le son. Alors, check sur le son, check sur le son. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Bon, allez, c'est parti, on y va. En route pour l'aventure. Hop. Ouais, mais si je mets pas le son, gros. Je déteste ces expressions. Gros, ça va, gros. Gros. C'est comme ceux qui disent bro. Ça va, gros bro. Nique ta race. Allez. On est parti, mon kiki. Le son, il est. Voilà. Celui dans la zone là, l'ennemi là dans la zone, on l'a presque là. Celui qui gère la zone. Non. C'est comme l'oiseau. On monte dans le ciel et faut faire comme l'oiseau. Allez, attends, c'est quelle mission? Parce que là, en fait, moi, ce qui me manque, c'est pour avoir la visée rapide. Les visées rapides, 1500, c'est un symbole particulier. C'est une espèce de haut-parleur. C'est genre ça. Ah bah non, mais j'allais là en fait. Mais avant, je vais aller leur piquer leur hélico. Donc les missions qu'il faut que je fasse là, c'est des missions arrêter des camions, machin.
J'arrive presque à faire des loopings. Ouais, je suis pas sûr. Hop là! Alors? Alors, on prend pour un guignol, hein? C'est qui le roi du looping? Je désigne le capitaine. Ah non, c'est mission voler des hélicos, ça? Pourquoi je suis venu là, putain, sérieux? Fallait me le dire. Putain, je me casse les couilles à venir là. Il faut voler l'hélicoptère. Moi, je pensais qu'il fallait cartonner un... je sais pas, moi, un convoi. Putain. Ah, je suis dégoûté en vrai. J'envoie un petit scramble avec des pistolets mitrailleurs. Donc il faut pas que je me fasse repérer. Hélico de l'Unidad en approche, planquez-vous. Je déploie le drone. Désigne un ennemi. Il a des civils à côté de lui. Je rejoins la position. Je rejoins un poste de là, tir. Cible numéro 5. Attends, je dois trouver un bon angle de tir. J'ai la cible en visu. Et moi, je me garde. Je suis en position de tir. Ennemi abattu. Ah, oh, merde. Bon, enfin, il doit bien y avoir d'autres hélicos dans le coin, pas vrai? Putain, j'ai niqué l'hélico. Ils sont tombés là. Faites attention. Allez, dégage! Frag lancé. Attention les yeux. Là, dégoûté, j'ai fait péter l'hélico, putain. On est au calme. Ah, franchement, c'est la loose. Attends, je vais essayer de... Merde, ta gueule, toi. Putain ! En 3 heures, on redéploie. Je sais pas dans quoi j'ai tiré là. Si j'ai tiré dans l'hélico et que ça l'a...
Ça fait un max de loupiote et de boutons. Le drone a décollé. J'ai repéré un capitaine. Je vois une deuxième cible. Jamais 203. Bien reçu, mobile. Reçu, je me mets en position. Je vais me trouver une ligne de tir. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Compris, reçu, je vais me chercher une position de tir. Et moi, il faut que je sois dans J'suis une prêt, bonne position de tir pour avoir l'autre, là. Je l'ai fumé. Attends, yes. Tu vas te faire griller. Il y avait vraiment pas besoin. Qui s'était rendu. Allez. Les limites visibles, là, recule. Allez, on y va. Je sais pas si avec celui-là je peux faire un looping. Elle est relativement balèze. Ah, j'ai l'impression que ça va plus vite quand tu fais comme ça, marche arrière et... Bon, allez, on teste. C'est où encore? Ouais, chaud avec cela. Qu'est-ce qui se passe là? Franchement, le jeu il bug là. Il y a des bugs. Pas le bug de l'an 2000, mais il y a des bugs là. Pourquoi échec, putain? C'est pas possible, sérieux. Je prends le manche. Ce jeu bug à mort. Non, il bug pas à mort. L'ennemi est actif dans ce secteur.
actif. Je me mets en position. Je désigne le capitaine. Ils sont tous là, quoi. Position. Avance à poursuivre le position. Reçu. Cible marquée. Et là, ils sont combien, quand tu veux, là chef. Ah non, non, bah non. Bien sûr, mobile. Ah non, bah non. Ok, j'y vais. Il faut une meilleure position. Attends, je dois trouver un bon angle de tir. Cible repérée, quand tu veux. Celui-là, je me le garde. Cible repérée. Je rejoins une meilleure position de tir. Pareil à tirer. Je désigne la cible. Attention aux environs immédiats. Ennemi abattu. C'était juste. Putain, les gars, c'était en mode de... Je crois qu'on les a énervés. Ok, je tire une fusée. Ils arrivent. On fait quoi, chef? On se bat. C'est quand vous voulez. Ça a l'air de se tasser. Ils doivent penser qu'on s'est barré. En plein d'autres qui répliquent. Ah ouais, mais bon, on est loin. Là. Arrête, ils sont pas en train de me suivre encore. Ah oui, peut-être parce qu'il y a la mission de Cérébro, il faut pas que je l'approche. De pouvoir faucher un hélico. Carrément. Alors ça m'a mis combien de points? Est-ce que j'ai assez? Yes, j'ai assez. Maintenant, j'ai le bonus rayon d'explosion, expert longue portée, rayon d'explosion, régénération rapide, dernière chance. C'est un raison plus, cette dernière chance. Et là.
là. Tac, tac. Ouais, il faut que j'arrive à avoir le maximum d'amélioration parce que... Parce que ça va se compliquer. Eh merde, j'ai encore dit putain. Missile en approche, j'ai été obligé de me mettre au ras du sol. Ah mais attends, ça c'est sur la deuxième session. Déterrer les infos dans le coin. J'ai demandé une reco de la zone rebelle. Faut une caisse d'armement par ici. C'est pile ce que je voulais. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise. En fait, on casse tout chez eux. Sans le faire exprès en plus, c'est ça qui est fort. Dessus en voyant nos armes. Sur quoi j'ai eu des améliorations? Franchement, le MP5, je l'adore. Ouais. J'avais pas vu que j'avais ça sur le MP5. Alors j'étais sur le MP5. Il n'y a pas d'amélio. Celui amélio. Bah, je gagne rien.
quand même. Quand même, il est bien fat. D'Amelio. Oh! Lunettes. Ouais. Oh, oh, oh. Non, je perds en précis. Je perds en précis et en portée. Quoique, ça c'est pas mon arme pour me faufiler, donc ça c'est pas une arme pour se faufiler, donc enfin, tu me diras, j'ai le snipe et j'ai l'autre, donc je garde la maniabilité. Et silencieux. Elle sert vraiment à rien. Je perds trop en précis. J'ai de l'amélio aussi sur celui-là. Ah ouais, je dois avoir la même lunette. Qui me rapporte rien. Canon standard. Il faut qu'il soit maniable parce que l'autre arme que j'avais, c'est le sniper. Ça va être la même lunette. Ah mais je mets de la merde en fait parce que c'est celle-là la mienne. C'est quoi comme arme? Ouais, non, c'est du canon standard que je mets dessus. Parce que ça accompagne mieux le snipe.
a pas de mystère. C'est vraiment celle-là à chaque fois. Dommage qu'elle ait un petit chargeur. Mais non. Celle-là aussi, je l'aime vraiment bien. Lunettes, ils vont toujours mettre la même. Mais bon, le top, c'est... C'est le PKS. Celui-là aussi, je l'aime bien. Et bon, voilà, c'est toujours PKS. Oh, 1,30. Ouais, canon court. Hop. Par contre, je vais foutre un silencieux dessus. C'est bien silencieux que j'ai mis. Ouais. Bah, les autres, elles sont pas débloquées. Et là-dessus. C'est dur de débloquer des trucs sur les gars. Ouais, parce que moi j'ai ça. Un snipe et un fusil d'assaut. Donc j'ai intérêt que mon fusil d'assaut il soit maniable. Parce que le fusil d'assaut c'est vraiment quand je rentre dans les camps. Sinon quand je suis autour du camp c'est fusil sniper. Oh, je suis où, là? Oh, on est où, là? Oh! Allez, Jeannot! Allez-y, sans moi. Ah, mais attends, il y a un hélico, oh! Tâchez vos ceintures. Bah oui, c'est mon hélico que j'ai posé, il y a... Ouais, faut pas que j'aille l'éclater en lui rentrant dedans. Les gâchettes sont inversées, c'est le cauchemar. Enfin, y a un truc qui...
Il y a un truc qui est changé là dans les cachettes, je trouve. Bon. On bouge. Puff. Ah, j'aime bien cette... Franchement, je kiffe cette zone. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre à profit le clash entre Elway et Bento, le lieutenant de l'Unidad. Voyez ce que vous trouvez. Je crois que c'est ma zone préférée, franchement. Ah, je vais faire une petite pause. Je roule un petit joint. J'arrive. De toute façon, je vous mets en pause. Tac. Et on est reparti, mon kiki. Bon, on essaie de la jouer sérieux là, parce que moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre de passer pour un guignol. Alors là, on la joue. Ah mais je vous le dis, rigolez. Et là je vous le dis, on la joue sérieux. Voilà, c'est tout. Vous voulez voir ce que c'est la bête quand elle se réveille, ben, vous allez voir. Allez. Atteindre à la base de la Villa Verde. Ah mais j'ai roulé en juin. Ah j'ai dit on joue sérieux. Non, je voulais dire, on roule sérieux. Allez, parking. C'est Momo, le gars avec moi, là. Allez Momo! Ah oui, mais vous saviez pas, je joue avec mon pote Momo. Bah voilà, je vous présente Momo. Cinquième Dan de Ghost Recon. Ça sent la roquette en pleine tronche. Oh, il y a de la mission là. Il y a de la mission. Petite gorgée. On y va, on se fait la mission. Eh ouais, moi je me la joue coolos, hein. Moi, rien de presse, hein. Je suis à la retraite. Hein. Donc, wait and sit, hein. J'ai pas fait de planning. Allez, c'est parti. Merde, faut que je fasse ça. Ah merde, je peux pas tirer avec cet hélico de merde. Ouais, mais il y a un hélico pas loin. Il y a un hélico pas loin. En plus, j'ai mes potes les rebelles. Ouais, mais comme par hasard, il a pas de roquette. Il a pas de... Ah, c'est pas mes potes.
solution de tir. Allez, allez. Allez, allez, on canarde, on canarde, on canarde. Allez, tu me le tues, celui-là, là. Allez, allez. Ouvre le feu. Eh, merde, on a repéré. Reçu. Allez, Momo. Ouais. Ça, c'est mon Momo. Tiens. Alors, tu t'es vu quand j'ai c'est bu bon, on est tranquille. Tu t'es vu quand j'ai bu du Chanel numéro 5, non? Eh, hey, baissez les armes. Les gens du coin ont déjà eu leur dose. Je baisse les armes si je veux. Je passe par la fenêtre. Ah, je passe pas. Trop gros cul. Allez. Y'a un trop gros cul ou quoi? Passe pas ce con. Bon, j'ai mon KSS. Putain, j'ai cru qu'on pouvait le conduire. Est-ce que si on tire dans le dans la bonbonne de gaz du chariot élévateur? Normalement, c'est du gaz, hein, ça doit péter. Hein. Sauf si je tire pas dedans, quoi. Ah non, il explose pas, c'est pas normal. Ah, il a des roquettes. Il a des... Je prends les commandes. Oh, ça va faire mal. Il a des mitrailleuses. Oh, ça va faire mal. Attends, attends. Tu connais un truc qui va faire encore plus mal. C'est ça. J'ai appelé les rebelles. Ils vont j'appelle les rebelles. Les rebelles, ils vont venir, tranquillou. Tranquillou, la baie des flamboyants. Hélico de l'Unidad en approche, sortez-vous. Wow, 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 l'Unidad, nique sa mère. Bah alors, l'Unidad. T'as peur? T'as raison d'avoir peur. Là, avec un peu de chance, ils vont monter avec moi, là. Ok, on est parti. Oh, les bâtards! Y'a que Momo qui est monté avec moi. Allez, on y va. La baie des flamboyants. Prêt, feu à volonté. J'attaque l'ennemi. On est repéré. Ils arrivent à me shooter, moi j'y arrive pas quoi. Thank you.
La baie des flamboyants. Allez, il y a un peu le museau là. Allez Momo. Ouais. C'est bueno. Tu vois ta tête toi? Ta tête toi. Oh là oh là, t'es caché toi, oh là oh là. Allez. La baie des flamboyants. Encore des volontaires ou quoi là? Où? Où? Il dit où? Oh, 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 oh. Toi t'es mort. Opérationnel de la Santa Blanca à Villa Verde. Sans doute que le bout de chaîne du secteur habite là. On y va. Et voilà, c'est la baie des flamboyants. Oh, c'est mignon ça en bas là. À mon avis, ça va envoyer sec ça. La baie des flamboyants. Si t'es un flamboyant, tu vas à la baie des flamboyants. Alors. Je repère un QG du cartel. Il faut qu'on aille voir ça de plus près. Ce sera à nous le chemin. L'amour de nos lois pour que l'amour devrait peut-être l'amener aux rebelles. Ah, ça c'est des trucs qui me qui font plaisir ça. Bon Momo, tu veux pas chanter un truc là? La baie des flamboyants. Jusqu'au bout de l'extrême limite. Il y avait rien, je savais, mais c'était pour faire genre. Le gars qui maîtrise. Je maîtrise mes espaces. Je respire. Visez un peu l'arsenal. Ces cartouches de fusil, c'est de l'artisanal. Des pesos mexicains et de la grenaille. C'est pour signer Sigrim. Quand Elway okay. Descend quelqu'un, il veut que tout le monde sache que c'est lui. On va les prendre et appeler Bowman. Bowman, c'est beau, ça veut dire beau mec en anglais. Ah! Eh, tu t'es vu quand j'ai vu. Pourquoi on a... Ouais, faut qu'on appelle Bowman là-haut. Momo, t'appelles Bowman ou quoi? Oh. Chevrotine! Hey Bowman, il
faut qu'on trouve un moyen de piéger Elway. Je te propose qu'on tue le capitaine de l'Unidad en laissant les douilles caractéristiques d'Elway sur les lieux. Ça te va? C'est diabolique. Vous avez le feu vert. C'est diabolique, mais on est diabolique. C'est ça que tu comprends pas. On est diabolique. Attends. Je crois quoi? J'ai une petite session ad hoc, donc j'ai coupé le micro. Je vous épargne ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à trouver? Eh oui, il y a d'autres choses là-haut, Ninou. Oh, petit chaton. Ah, si je tombe, je meurs ou pas? Ah! Non. La baie des tyrannosaures. Si t'y vas pas, t'es pas le plus fort. C'est la baie des tyrannosaures. Si t'y vas pas, t'es le roquefort. Tu manges des pâtes au bord. Une volée de faisceaux, cette grenaille. Ça me plaît bien l'idée. Quand j'étais gosse, un voisin chargeait son fusil avec des cailloux et du sel. Tu blesses et tu répands du sel dans la blessure. Sympa. Hé, hey, j'ai trouvé une caisse d'armement. Ah, mais je me suis bloqué là, les gars, là-haut. C'est une caisse d'armement, hein. C'est pas très flamboyant ce que j'ai fait. Oh là là, comment il a... Et il est en train de grossir, mon perso, là. Il n'arrive pas à passer les trucs, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être utile. Ouh! 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 Chevrotine! Ouf! Je crois qu'il y est, bien sûr. Attends, j'ai aucune pièce pour celui-là. J'ai aucune pièce pour le Dragonov. Dragonov SVD. Rail, l'appel du rail. Bouche. C'est con parce qu'il est... Putain, il est fat, quoi. En cadence, putain, moi, c'est le truc, c'est qu'il est... Il est pas rapide, le mien, quoi. Pas rapide, pas maniable. Par contre, il est précis et il tire loin, quoi. Mais j'aime pas le réticule de visée, quoi. Et merde, j'ai redit putain. J'ai redit le mot interdit. Casse les couilles, hein. Je vous le dis, hein. Putain. Chier. Casse les bonbons. Sérieux. Casse les vraiment les couilles, hein. Ça fait déjà 20 euros dans la cagnotte en plus. Et 60 euros tout à l'heure. La vidéo d'avant. Alors, en arme, j'ai. C'est le dernier truc qui me manque, le drone soin.
Ouais, mais je vais chercher. Je vais aller chercher en visée stable. Est-ce que lance-grenade? Ouais. En visée stable là. Et bon putain. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était le Dragonov que j'avais. C'est pas le Dragonov. C'est le réticule de visée, j'aime pas. Putain. Je vais faire un truc comme ça ou. Celui-là, il est trop brouillon. Enfin, quoique. J'ai le droit de dire quoique. C'est pas comme si je disais. Ah, je l'ai buté enfin quoi. Ennemis dans la zone, en position. C'est pas comme si je dis, c'est pas comme si je disais ça. Faut que je récupère mon hélico là-haut. Puta madre. Hola compañero. Est-ce que celui-là il tire? Quand je prends le manche. Est-ce que moi je peux tirer quand je suis avec? Non, je peux pas tirer. En avant, ouais. Marche. Ouais, mais je peux pas tirer avec, malheureux. J'ai plus rien à récupérer là. Non. Là, on va aller voir ce qui se. On connaît. Bah là, on connaît. Allez, feu patate. Oh là 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 là. C'est une honte. C'est une honte, c'est inadmissible. J'ai réussi à le poser, donc je comprends pas. Il a pu se poser tranquillement à côté, donc je vois pas pourquoi il a pas pu il a pas pu redécoller. Trop gros cet hélicoptère pour que j'aille me poser là-bas. Là. Et faut que je me pose en contrebas parce que après pour escalader ça va être chaud patate. Essayons, essayons. Ça touche les parois ou pas? Oh c'est beau, oh c'est beau. Et là je descends, il se barre. Oh c'est beau. Au travail,
J'avertis les rebelles qu'ils peuvent passer prendre tout ça. Vous trouvez pas que c'est beau? Tu m'as fait peur. À un moment, j'ai cru que tu voulais qu'on se traballe tout ça nous-mêmes. Moi, je trouve que c'est beau. Perso, c'est beau. Enfin, je trouve. I think. Allez. On remonte. Là, vous allez voir. Ça, c'est du décollage de professionnel. Regardez bien. Regardez bien la technique. Oh là 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 là, la technique de fou. Alors, maintenant. Parce que c'est toujours bon à récupérer tout ça, là. Attends, j'ai mis une balise ou j'ai mis quoi là? Oula! Ils ont l'air relativement nombreux là. Enfin, un petit tour au-dessus pour voir. Ça serait pas une mauvaise idée d'appeler Bowman avant de vaporiser le bâtiment. C'est pas faux. Comme ça, elle pourra chercher le suivant pendant ce temps-là. Bowman, on a trouvé un des labos de pyrolusite. Beau travail. Maintenant qu'on sait à quoi il ressemble, je peux peut-être en trouver d'autres dans le coin. Et... bingo. Je te transmets les nouvelles coordonnées. Alors, on va voir combien il y a d'ennemis autour. Ah, bah c'est là où je suis. Déjà, il y en a un là, à l'entrée, on le voit. Fire! Feu! Tire libre! Compris. Tire libre! On a donné un fire! Pour ceux qui connaissent, on a l'impression de jouer avec les voix des gars du groupe Brugeria. Oh là là, oh là là, oh là là! On m'envoie des. Brugeria! Allez, envoyez l'assaut là. Oh non non, hélicoptère. Oh là là, oh là là, oh là. Tout le monde est prêt. Feu. Allez, mais tirez. Putain, vous avez des putains d'armes avec vous là. Et vous tirez pas les mecs. Putain, je me démerde pour essayer de bien me poster et tout. Là, normalement, tu vas pouvoir le canarder, là. Allez, Momo. Allez, Momo. Canarde-le. Cet enculé. Cet enculé. C'est le petit ami à Emmanuel Macron. Cet enculé. Jean-Michel Trogneux, Life Matter. Je m'appelle Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux live matin. Yes, bien joué Momo. Yes, I. Ça, c'est de la technique. Vous vous rendez pas compte. Ça, c'est des années de pratique, ça. Encore du monde là, ouais, bah oui, il va y avoir encore du monde. Quoi, il y aurait personne? C'est quand même la baie des flamboyants, non?
tiens, là, regarde-le, lui, regarde-le. Prêt, feu à volonté. Bien sûr. Canarde-le-moi, cet enculé, là. Engagez les cibles. Cible éliminée. Quand même, t'as mis le temps, mec. Ils ont la même voix que... Franchement, par moment, t'as l'impression de jouer... et que c'est la voix des mecs du groupe de Brugeria. Le groupe de métal mexicain. Là. Ouais, mais ça, c'est pour les puristes, ça. C'est pas pour les... comment on appelle là les années 2000 là. C'est pour les puristes. C'est pour les anciens. Wow! Elle est pas passée loin la roquette. Bon, tu lui tires dessus s'il te plaît. Allez, dégagez. Allez. Oh là là, il me rate. Wow, wow, wow. Il m'envoie des missiles de partout, là. Je croyais que c'était le cartel. Cartel en Bolivie, là. Je pensais pas que c'était... bienvenue chez Daesh. Wow! Allez, Momo! Je sais que ça te fait chier de tirer sur tes frères, mais putain, allez! Allez, bousille! Oh putain, ouais, mais c'est ma faute! C'est ma faute! C'est ma faute! Bon, allez, on se prépare à faire une dinguerie. Là, je vois qu'ils ont du renfort. Non, non. Le renfort ne va pas arriver. Hasta la puta madre! Oh merde! Courez! J'envoie un drone. RAS de ce côté. Je demande à... Zepequeño de nous dire s'il y a du monde ou pas. À Pecari. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Ok. Moi, je préférerais que tu me fasses une petite diversion, là. J'ai demandé une diversion aux rebelles. Il y a un petit coup de mortier ici. Je demande un tir d'artillerie. Bien fait, paré à tirer. Ouh ! Les alarmes, c'est bon. Aucun risque de renfort aérien. Allez, on y va. Tu veux qu'on cherche les intels dans le coin ? Gardez vos armes baissées, faudrait pas qu'on les fasse flipper. C'est quoi les éclairages encore là qui me... C'est quoi ça? Je peux pas passer là ou quoi là? Je peux pas passer gros.
Oh, salut, hein, c'est Squeezie. Hein. Oh, ça va les gros, hein, ça va gros, hein, ouais, gros. Hein. On nique ta main, hein, ouais, ouais, ça va gros, hein, ouais, ouais. Je sais pas quel âge il a ce mongolos, mais putain. On a un labo juste en face. Ça me rappelle la fac. À vouloir se la jouer. Racaille alors qu'il a une tête de petit blanc, de petite victime blanche. Je suis sûr qu'il devait se prendre des énormes balayettes dans la tête à l'école. J'en suis sûr et certain. Il devait se prendre des balayettes de l'espace à l'école. Bon, on va détruire le générateur. Hein. J'ai amorcé le C4. Dégage, restez pas à côté, putain. Restez pas à côté. Bon, bah, tant pis pour vous, les gars. Labo détruit. Pas mieux, on passe au suivant. Franchement, vous êtes pas bon, vous restez à côté. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Il m'énerve tous ces éclairages là. Oh oh, Unico, Unidad. Y a plus rien à prendre dans la zone. Bang bang, Instagram, bang bang, some random bang bang. Ouais, je chante bien, je sais. Attends, putain, c'était où la zone que j'adore? Vraiment, j'ai kiffé cette zone. Putain, j'ai découvert une zone, franchement, j'adore ça. Putain, et là, je la retrouve pas, bordel. C'est là, puta madre! Et là, je suis où, là? Là, je suis à la baie des flamboyants. Ok, je vais aller faire ça, mais avant. Et bon, pour ça, il me faut un hélico valable, quoi. Et merde, j'ai redit, putain. Chier. Nique sa mère. Est-ce que mes vidéos sont conseillées pour les enfants? Non, pas du tout. Putain, mortier. Eh putain, j'ai réussi à me faire sauter la tronche, quoi. Putain, c'est pas vrai, puta madre! Qu'est-ce que tu foutais? Ah,
putain, sur la chatte à Ramayad, sérieux. Qu'est-ce que je prends comme véhicule? Je suis venu comment déjà? Un hélicoptère, mais je l'ai éclaté mon hélicoptère. Présence ennemie dans la zone. Ouais, ouais, bon, alors on va leur casser les dents aux ennemis. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Tu veux venir faire malin avec moi, toi? Contact, c'est une escouade du cartel. Ils essaient de s'échapper en camion. Ah! Vite, 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 vite! Vas-y, on se l'est fait. Je prends le volant. C'est joué à poil de cul. Je conduirai plus jamais, hein? Non. Vous voulez encore pour la dernière fois? Je conduirai plus jamais, Momo. Feu! Feu! Je tire. Bien sûr. Fire. I drain your fire. Cette plantation de coca en soi, c'est légal. Bouge pas. Ah, s'ils ont des camions blindés aussi, ces enfoirés. Ah, je voulais le véhicule d'escorte. Allez, dégage. Je vois un camion citerne en train de rouler. On va éliminer son escorte et le détourner pour les rebelles. Tiens! Faire gaffe, prends de la paix! RAS de ce côté. Le gasoil est à nous. Les juste en dessous les. Je lui ai juste tiré dans les pattes, bien en dessous. Ils m'ont niqué mon camion ou quoi? Non? Wow! Ça a pas l'air d'aller, mec. C'est dommage. Franchement, je trouve ça dommage que les corps ils bougent pas quand on les a kill, quoi. Genre quand tu veux les shooter, tu les acquilles, machin, tu veux tirer dedans quand même pour t'amuser, que les têtes bougent pas et tout, c'est dommage. Avant pas Santa Blanca. Parlez au délégué local du syndicat à Villa Verde et demandez-lui de pousser les ouvriers à arrêter l'extraction de pyrolusite pour le cartel. Je veux conduire. Mais non! Mais non, allez, sors. Elle met la cuisson. Yeah, yeah. La puta madre, yeah, yeah. La pistola, menene, el plomo, la plata. Oh, oh, il y a la unidad de devant, là. Allez, feu à volonté. Au revoir la Unidad, au revoir la Unidad. Ça risque compliquer les choses. Au revoir. Oh, par contre, ils ont un canon blindé. Wow, 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 il y en a un autre qui arrive. Allez, les gars.
Allez Momo, hein, je compte sur toi pour le défoncer derrière. Si je conduis comme ça, je suis pas prêt d'arriver. Wow, wow, ça va vite, ça va vite. Ah, ils vendent la coca comme ça là. Tu sais que si j'avais un peu plus de temps, je m'occuperais de toi. Déjà, je vais m'occuper de tes lumières. Parce que ça me plaît pas beaucoup là. Voilà, déjà, t'auras pas de lumière. Hop. Tous tes pneus sont crevés, tu pourras pas repartir. Je vais t'apprendre à vendre de la plante de coca. Voilà. Faut pas que je le nique trop parce que s'il explose trop près. Oula, oula, là c'est une zone à mon avis. Il y a des renforts à Pacatari. C'est excitant leur coin, on dirait. Du syndicat. Allez, on va lui parler. Bon, t'es où, délégué du syndicat, là ? On va juste discuter avec toi. Qu'est-ce que t'as ? Là, qu'est-ce que t'as ? Oh là, qu'est-ce que t'as ? Il est où ce con? Bah normalement t'étais là, pourquoi t'es passé de l'autre côté? Hola, qu'est-ce que t'as? Il paraît que vous aimeriez être débarrassé des soldats du cartel. Por supuesto. Ça va le puesto. Vous voulez que ça vous plaît d'être les esclaves des narcos? Si on arrange le coup, vous seriez disposé à abandonner les mines? Pero no pueden. Vous n'allez pas tuer tous les hommes de la Santa Blanca en Bolivie? Si. Si on pouvait, on le ferait. Mais on peut en éliminer assez pour vous donner le temps de vous enfuir, vos familles et vous. Je vous suis très reconnaissant. La Santa Blanca contrôle San Marques, notre village. Libérez-le. Eh ben, t'inquiète. Libérez la mine. Et on devrait pouvoir s'en tirer. Ça me paraît faisable. Je vais tous les niquer. Marché conclu. Marché conclu. Bon. Allez, on sait ce qu'on a à faire, les gars. Momo, tu prends ton poste. J'envoie. Le drone a décollé. Ah, mais il y a des gars de la... L'unidad. Ils sont en alerte. Je rejoins la position. J'ai aligné la cible. Faut que je trouve une meilleure position. Ok, je me déplace.
Reçu, cible désignée. Bien sûr, j'y vais. Je l'ai aligné. Les rebelles se fritent avec la Santa Blanca. On les joint, j'ouvre le feu. Je vais leur balancer une bonne roquette sur la tronche. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. J'ai demandé un tir indirect aux rebelles. Allez, ça fait mal. Le tir de mortier. Papa. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. Oh là, oh là. Ils sortent de partout, là, Morricone. Regardez ce tir. Non, je voulais dire celui-là. Non, celui-là. Non, celui-là. Eh, ils sont tous derrière des rochers. Ah, ah. Il y a une petite tête qui apparaît de temps en temps là. Puta madre! On va voir ta tête. Wow, wow, wow. Wow. Je me mets en position. Reçu, je vais me placer. Reçu, je vais me chercher une position de tir. Cible repérée, quand tu veux. Cible repérée. À ton signal. Lui, c'est direction la morgue. Charge posée et amorcée. Alors, dès qu'il va passer, lui, là... On vous file une grenade de diversion en cadeau, Hombres. Une fusée, préparez-vous. Et merde, la fusée, je l'envoie à mes pieds. Oula, oula. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Faut des munitions. La puta madre! Oula, oula. Morricone! Un sniper! Où? Je rejoins la position. Faut que je trouve une meilleure position. Ok, je me déplace. Cible marquée. J'ai la cible en visu. Attends, il y a des munitions, mais elles sont où là-haut? Pas bien de jouer avec mes couilles, hein. Alors, ils sont où les renforts? Oh, oh! Je suis en position. Reçu, je vais me placer. Reçu, je vais me chercher une position de tir. Je l'ai aligné. J'ai perdu la cible. Ils vont nous tomber dessus dans pas longtemps. T'inquiète, t'inquiète, j'ai posé des lignes. Je suis prêt, quand tu veux.
Boum! La cible est neutralisée. Pour info, je suis en train de poser une mine. Wow! Baissez-vous. Putain, c'est... le truc est pas facile là pour choisir là, putain. Je mine de proximité. Voilà. Il est où? Il est où? A puta madre! Boum! 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 Oh le bâtard! Le bâtard, il va me buter! Mine de proximité! Tu la prends celle-là. Ah, il est mort! Il est mort juste avant de se prendre la mine. T'as eu du bol, toi. T'as eu du bol, petit gars. Ah bon? Où? C'est passé tout près. À terre, t'es trop visible. On a changé de position. Ils sont aux fraises. C'était un civil, pas un sicario. Je m'en bats les couilles. Mais merde, c'était un rebelle. Allez, vite, vite, il me faut des balles, il me faut des balles. Et merde, merde, je peux te... Boum! Il est où leur véhicule? Boum! Bah alors? Tu n'as plus aux soirées? Ah, c'est sûr qu'avec deux jambes en moins, c'est chaud. Bah là, on avance. Oh! La poutre, c'est les coulots! On va se taper des renforts ennemis. Puta madre!
Ah putain, les civils, ils me cassent les couilles. Tu vois, d'avoir un chargeur 50 balles, c'est vachement pratique quand même. Fais pas pan elle coule. Ah non, pas les hélicos, putain. Hélico de l'Unidad en patrouille, attention. Alors là. Hélico Unidad. C'est la puta madre. L'ennemi reçoit du renfort. Bouh. J'appelle des renforts, moi aussi. Des renforts aux rebelles. Demande aux rebelles de détourner leur attention. Attends, il se passe quoi, là? Voilà, c'est tout. Il y a des manières de régler les problèmes, autres que la violence, les gars. Non? Bon, bah non. Tout se règle avec la violence. Ok. Bah, il faut quand même qu'on avance là. Ah, il faut être assis pour pouvoir. Ok. Ah, il est là-haut là. Reçu, je me mets en position. Compris, je l'ai dans le viseur. Est-ce que vous pensez qu'au sniper je peux l'avoir? Bah déjà, il faut que je me place bien. Ouais. Boum! Ennemi abattu. Ah merde, non, c'était le tir synchro, fiche. Nettoyé. Moi je te glande, bang bang, donne le sonar, bang bang. Le quartier des mineurs grouille de sicarios. Si on les élimine, les mineurs auront autant plus de chances de se tirer pour trouver un boulot honnête. Non, c'était les corons. La terre. On a donné un coup de pied dans la fourmilière. C'était le charbon. Les hommes. J'ai demandé aux rebelles de faire un. J'ai demandé une diversion. De fond. Drone actif. Ils sont où les gars là? Tiens, tu veux un tir de mortier sur ta maison? Un tir d'artillerie. Allez, regarde ta baraque. Ah merde, il y a du civil. Eh putain, il y a du civil. Attends, il fait quoi lui? Je rejoins la position. Il fait quoi lui? J'ai aligné la cible. Shoot. RS de ce côté. Zone claire. Par contre, je vais être à sec. Clair ici aussi. C'était chaud quand même, hein. Si t'aimes pas quand ça pète, va aller rejoindre l'armée du salut. Donne envie de shooter un ministre. Zim zim zam, l'un des Grand Six Prix. Tout ce que jour après jour la poule. Attendez, y a peut-être des trucs à récupérer là.
plutôt que de partir comme des poissons panés là. Parlez au délégué local du syndicat à Ville-Laberdé et demandez-lui de pousser les ouvriers à arrêter l'extraction de pyrolusite pour le cartel. Bah ouais, parce que là j'ai réussi la mission donc. Là j'ai réussi la mission. Allez! Ça sert à rien de leur foutre la trouille. Mais je cherche pas à leur foutre la trouille, je veux juste régler mes armes. Arrêtez de me faire chier, putain. Je cherche vraiment pas à leur foutre la trouille, hein. Je veux juste régler mes armes. C'est tout. C'est moi qui pilote. Hey salope, baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Oh, c'est pas bien de dire ça, surtout à l'heure actuelle. Hein. Oh. Avec balance ton port et MeToo, oh là là, pas bien. Ah là là, c'est pas bien. Ouais. Et quand tu vois tous ces connards de gauche qui tapent leur bonne femme et tout, et que ça se dit de gauche, franchement. Moi je dis peut-être des conneries mais je fais pas ce que ces connards ils font quoi. J'ai une cible. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des rangs de feu. Bien sûr. J'ai une solution de tir. Allez Dominique. Supercopter. Et voilà la puta madre. Il est en force. Wow wow wow, les civils. Alors le camion de kérosène. Jolie poudre, c'est fini pour la Santa Blanca. Vous savez que la pyrolusite sert aussi à filtrer l'eau. Ouais mais pour ça, il y a d'autres moyens, non? Putain. Bon, rien à foutre, je bois de l'eau en bouteille. T'es qui toi? Ok, t'es un gentil. Et s'il y a quelqu'un dans les chiottes, ça se passe comment? Alors ça, j'ai conduit déjà. Est-ce que j'ai pas conduit là-dedans? Ah, il y a ça à récupérer, les gars. C'est...
Il est où le truc? Il est là-haut. Faut aller plus haut. Allez plus haut. Seulement le souvenir. Je suis full munitions là. Si on fait un piège, le gars il va vouloir passer. Et quand il passe, on lui lance ça. Je pense que c'est ultime comme truc. Ah, c'est des bidons d'essence qui explosent, ça? Laissez vos armes. Non. Les civils sont déjà à cran. Mais les civils! Les civils, ils viennent toujours dans nos pattes, c'est ça, quoi. Voilà. Regarde, je vais essayer d'enlever son chapeau. Ah bah là t'es parti trop vite mec. Allez. Y a plus rien de nouveau. On récupère notre hélicoptère. Oh, c'est qu'on l'a bientôt chopé notre petite tarlouse là. Ah non, il y a encore des... Mission. Faites sauter les deux labos qui raffinent la pyrolusite pour la Santa Blanca. Il faudra des mois pour que leur production... Il faut qu'on trouve un moyen de mettre à profit le clash entre Elway et Bento, le lieutenant de l'Unidad. Voyez ce que vous trouvez. Et pourtant, je suis en mission 4 et c'est en 4 étoiles et celle-là, elle passe, quoi. Attends, est-ce qu'il y a d'autres 4 étoiles genre chez genre chez lui c'est tendu, chez lui c'est tendu. El Tabacal. Villa Verde. Ah, c'est bien, j'aime bien. Et putain, la zone que je préfère, mais vraiment, franchement, la zone que je préfère. Et pourquoi j'y retourne pas alors qu'il m'en reste... Ah, parce que c'est une mission à la con où je dois pas me faire opérer. Et là, j'avais juste envie de kiffer ma life, quoi, tu vois. Oh, j'en ai buté quelques-uns, là-haut. Il commence à moins faire les malins, là. La gringa. Il faut que je commence par la gringa. La gringa. Attends. À faire intelligemment. Chez qui j'en ai buté le plus? Chez la gringa. Bon, chez la plaga aussi. Le truc qui me chagrine, c'est que... Attends, mais le commandante, il est tout seul? Attends, j'ai pas compris, le commandante. Oh, l'excuse pour tirer sur son joint. Oh là là, c'est vilain. Nos intels sur ce type sont très lacunaires. Le cartel et les Boliviens l'appellent El Comandante. Son âge, son lieu de naissance, son vrai nom, inconnu.
Officier de l'UNIDAD, la police militaire bolivienne, El Comandante s'est taillé une réputation en traquant les rebelles. Rebelles qui commençaient à s'imposer à Media Luna quand El Comandante et l'UNIDAD ont débarqué en force. Media Luna ! Ça a été le massacre. Notre homme aurait même emporté quelques scalps en souvenir. En théorie, il est lieutenant-colonel. En pratique, c'est une espèce de monstre sacré de l'UNIDAD, ce qui lui permet de mobiliser l'armée pour le compte du cartel. C'est le cartel de Medellin. Vu la façon dont il s'immisce dans les affaires du cartel, Sueño a peut-être du souci à se faire. El Sueño. Sueño se ferait pas chier avec l'UNIDAD. Mais les rebelles lui posent problème, et on peut pas affronter ce qu'on connaît pas. El Comandante, par contre, il est en terrain conquis. Il est trop chaud, lui. Tout Media Luna serait entre les mains des rebelles. En bons meilleurs ennemis, Sueño garde El Comandante à l'œil. El Comandante, il est trop dur. Sa garde. Franchement, il est vraiment... J'ai essayé d'aller faire des missions à sa base. C'est... Enfin, sur son territoire, c'est chaud. C'est chaud de chez chaud. Ah, mais on voit, en fait... À combien je les ai déstabilisés? 50% en sécurité, 28% en influence, 19% en trafic, 54% en production. Est-ce ta bien? Il faut que je continue sur la production, alors mettre la misère. Alors là, vous allez me dire, si vous comprenez quelque chose à ça. Dispersion réduite. Réduit la dispersion quand vous tirez sans viser. Mais quand est-ce que tu tires sans viser? Je comprends pas, je refuse de comprendre. C'est une aberration. Matériel, mine, C4, raccourgement. Attends, c'est quoi ça? Pas bien compris ce que c'est là, Rocco. Rocco jumelle là. Sans matériel. Augmente votre capacité à identifier les cibles avec les jumelles. La puta madre! Ouais, je sais pas. En armes, paf paf paf. Ah si, ça y est, j'ai compris, putain. La dispersion réduite, en fait, c'est quand t'es vraiment en galère et que t'as deux gars qui t'arrivent dans le dos, bah tu prends pas le temps de cibler, tu tires direct, quoi. Et clé ok, hein. Je crois, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. La vise est stable en tout cas, c'est beau. Capacité, papa, papa, visée rapide. Ouais, putain, la visée rapide, elle est chère. Si je veux mettre des points en visée rapide. Drone, je m'en fous un peu, quoi. IEM, machin et tout. Enfin, quoique. L'IEM, pas, vraiment pas mal, quoi. Mais bon, si je veux arriver à avoir le. Le drone qui s'occupe de pouvoir res aussi. Faudrait que je mette un point aussi.
Mais bon, ça me semble pas... En matériel, par contre, Rocco jumelles... Ouais, mais j'utilise jamais les jumelles, quoi. Et putain. Ah là 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 là, faut pas que je dise ça, voilà, 10 de plus. Physique. Endurance, même pas mal. Blindage terrestre. Résistance aux balles. Il manque combien pour blindage aérien là? Parce que blindage aérien, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, petite résistance aux balles, allez. Allez. Ah, j'ai voulu faire un truc vite. Non. Escouade. Ah, j'ai oublié de venir là-dedans, là. Leader né. Eh ouais, j'avais complètement zappé, moi. Oh! C'est pas normal ça. J'avais complètement oublié, c'est pas normal. Et ouais, je pensais jamais aller dans Escouade. Enfin, j'y suis allé parce que vous voyez que j'ai dépensé des points, mais... Tier 1, attends, moi je suis niveau combien là? Comment je peux voir ça là? R3? Merde, mon briquet, il est où cet enculé là? Oh, mon briquet, là, oh! Là. Ah, je suis niveau 24. Alors, en tactique, 50%, élimination furtive, 35%. Distance d'élimination moyenne, 74%. Ah, la durée de vie commence à augmenter, hein. Ah, faites moins les malins, là, maintenant, là. Oh, précision 4%. Oh, la honte. Oh, la honte. Ouais, mais c'est sur cette arme, je pense. C'est pas sur tout. Vingt-huit éliminations par C4 et mine. 5 heures de drone déjà. Et 8 heures en l'air. 5 heures au sol. 8 sauts en parachute. Soit 71% de la carte de découverte. Oh! Défi solo, ouais, j'ai gagné des points en défi solo là. Ah ouais, mais. Après il faut après il faut faire des tas de trucs. Et moi jouer avec des avec je sais pas qui. Parce que moi je suis un professionnel quoi, tu vois. Moi il me faut du qui dit professionnel quoi. Alors, ah oui, oui. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre à profit le clash entre Elway et Bento, le lieutenant de l'unité. Le clash. Voyez ce que vous trouvez.
C'est le clash là, tout le temps le clash là. Y a que ça qui marche là, le clash. Tu veux du clash? Eh non, je t'ai fait croire que je montais en hélico, mais non. Et voilà, je redescends. Parce qu'en fait, je vais invoquer des mercenaires. Pakatari. Comment il s'appelle? Pakatari. Quel nom à la con. Non, je fais ça, c'est pour qu'il monte dans mon hélicoptère. Allez les gars. Hélico de l'Unidad en approche. Planquez-vous. Plus on est dans mon hélico, plus on est dans l'hélico, mieux c'est quoi. Excusez-moi, j'ai pas coupé pendant mon toc. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Wow. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Oh! Il faut que je dégomme. Tout le monde est prêt? Feu! Compris! Il risque pas de recevoir des renforts à l'aéroport. On a débranché les alarmes. Sans mal. Je vois bien, je les vois bien me balancer une petite roquette dans la tronche. Je tire. Ah bah il serait temps. T'es à moi là. Genre tu te fais tirer dessus par un hélicoptère. Ça tire des balles à l'uranium appauvri. Crois-moi que tu meurs direct. Oh Bobo, t'aurais dû me prévenir là-haut. On s'arrache avant que ça pète. Non. On pétait mon hélico, ces enculés. Le capitaine est à terre. Attendez. Planque-toi, bordel. Tiens. Mon hélico est foutu. Alors. Le capitaine est à terre. Putain, Momo, tu fous quoi? T'aurais dû me prévenir. Eh ouais, je sais qu'il est tard. Je sais qu'il est tard, mais merde. Ah, que tal? Puta madre! Putain, mais c'est un rebelle! Mais ouais, mais j'essaie de dégommer le cadenas. Tiens! Alors? On se fout de ma gueule et tout.
Mobile vers position. Wow, ils sont combien? Reçu, cible marquée. Cible sur position de tir. Ils sont combien? Allez, boum! Cavale. Allez, cavale, mon gros. La puta madre! Attends, je pose une mine. Attendez, je pose une mine. Ah putain, il m'envoie dans le gouffre, ces bâtards. C'est bien qu'ils soient paqués là, comme des cons là. Attends, qu'est-ce que je peux leur balancer dans la tronche là? Une petite mine de proximité. Ah, tiens, un petit lance-fusée là. On voit une fusée. Pourquoi je les envoie au sol? Je peux péter une fusée. Pourquoi? Elles partent au sol. Perdido en el contacto. Repito, retírense. Tranquilo. Je vais te poser une petite mine. Moi, fou, je suis en train de poser une mine. Que tu vas t'en rappeler. Wow. C'est un coup à tomber de la falaise, ça. Boum! Boum! Hélico de l'Unidad en patrouille, attention! Camisa negra! Comment ça se fait qu'il prend, il prend pas mes grenades dans la tronche? Par contre, il m'envoie des grenades, mais il prend pas mes grenades. Ah! Et ben alors? On n'attend pas Patrick? Si. Elle est où leur bagnole? Oh, les asmés. C'est le dernier, je crois bien. Arrête de dire des conneries, c'est pas le dernier. On devrait pouvoir trouver des infos dans le coin. Ah, ils arrivent à bloquer. Ils sont en alerte. Je pose une mine pour nos amis sicarios. Ça va leur péter à la tronche là. Wow, ils arrivent de partout. C'est bon, tout le monde va bien. Oh, on les a éclatés. Bah, bien joué. Hein. On a 2 minutes avant qu'ils raboulent tous. Allez, on balise.
munitions. À l'étage. Yes. Donc maintenant. Attends, je recharge. Attends, je recharge tout. Ah mais tout se recharge direct en fait. Ça permet de t'entraîner. Pas mal ça. Quand même. Bon, tu me diras, je suis à 3 mètres de la cible, quoi. Ah ouais. Donc. Eh ben alors, t'étais là toi? À cause des douilles de fusil, l'Unidad va accuser Elway du meurtre. Ce sera la fin d'une belle amitié. Allez, on va voir ce qu'on peut encore leur faire comme ça le coup. On peut tuer leur famille. Les gars, ils se gênent pas à tuer les familles des autres, bah... Œil pour œil, hein. Œil pour œil, pied pour pied, hein. C'est bien connu. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer, là? C'est quoi, le truc, là? Poste observatoire. Poste d'observation. Ah ok. Bon maintenant. Faites sauter les deux labos qui raffinent la pyrolusite pour la Santa Blanca. Il faudra des mois pour que leur production de cocaïne s'en remette.
Ah mais les gars, on va leur faire la misère là. Leur trafic il va être HS. L'hélicoptère, je l'ai mis où? Oh, non, mais l'hélicoptère, on se l'était fait dégommer. Bon. Là ça va être très simple hein. Là je touche 2-3 fois la voiture explose quoi. Allons-y chauffeur, voulez-vous? J'ai pas le bruit qu'elle fait quoi. Et surtout la fumée qu'elle... Mais bon, il y a une tourelle, c'est mon côté enfant. Il a failli perdre sa tête. Ouais, je commence à voir double là les gars. Wow. Ah mais là je vous le dis, je commence à voir double. Donc ça va être dur. Si je vois double... Oh là là. Conduisez bourré, vous allez voir. Pété. Conduisez pété et éclaté au même temps. Vous allez voir ce que ça donne. Ça fait un mélange de subtilité. Bien sûr, j'ouvre le feu. Ça va péter. Ça a pété. Y a pas des masses de cibles dans le coin. Je déploie le drone. Je viens de demander une reco de la zone aux rebelles. Ah non. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. Je voulais éclater le... C'est bon pour moi. Je voulais éclater leur base. Y'a personne.
Ah, c'est pas le moment de se faire écraser par une bagnole. Et comme par hasard, il nous envoie un hélico, ces petits bâtards. Ah, moi je fais rien, je suis commerçant. Je vends des légumes. Je suis pété. Alors attends, y'a quoi à récupérer là? Y'a rien à récupérer là. Ah si, le 4x4. El Calcat. Hola. Hola, hola chica. Oh, 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 oh. Joe. So far. Wow, wow, wow. Désolé, les civils. J'ai demandé des renforts à Pakatari. Ouais, c'est bien. Prêt, feu à volonté. J'ai compris, je vais tirer. Ça va exploser. Oh non, putain. Allez plus haut. J'ai appelé les rebelles qui vont nous appuyer. J'ai demandé aux rebelles de faire diversion. Wow, 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 là on est dans les mines, là. J'ai demandé aux rebelles de faire une reco. Je me mets en position. Mets-toi en position. Écarte les fesses. Cible repérée. Pour que je trouve une meilleure position. J'ai aligné la cible. Aligne la cible. Cible Vas-y. Repérée. Je te regarde. J'envoie un troisième. Il y en a une autre là-bas. Ok, je me déplace. Ok, je me déplace. Wow, 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 wow. À ton signal. À l'Akbar. Soldats du cartel se pointent. Ouh! Al-Akbar! Voilà, il est où le problème? Il est où le problème? J'en ai encore 4 des grenades comme ça. Al-Akbar! Ah, salope! Salope! Enculé de rebelle! Ah, c'est pas les rebelles, là. C'est une idée de mes couilles, là. Putain. Ah, je comprends pas. Son véhicule, il est éclaté. Vas-y, alors toi, je t'attends. Allo Akbar! Merde, je l'ai raté! Eh merde! Eh, j'ai de la chance que j'ai 3 raises. Enfin, j'ai 2 raises. Oh là là, oh là là, oh là là, il y en a plein derrière, il y en a plein derrière. Oh là 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 là, le carnage!
Il y a trop de bagnoles qui arrivent là. Contact vers l'entrée du camp. Contact. Boum. Au revoir. Vague lancée. Comme une au revoir. Au revoir. Vague lancée. Attention les yeux. Au revoir. Oh, le bâtard, il est pas mort. Tiens. Et ça. Et ça, là. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? Et ça. Qu'est-ce que t'en penses? On en parle! Je rejoins la position. Reçu, je vais me placer. Hélico, baissez-vous. Reçu, je vais me chercher une position de tir. Cible repérée. Cherche-toi une position, t'as raison. J'ai mon viseur. Je suis prêt, quand tu veux. C'est bon ça, l'unidad shoot le cartel. Un hélico à plein ventre! J'ai demandé des renforts aux rebelles. Viens. Je demande aux rebelles de détourner leur. Allez, demande ce que tu veux aux rebelles. La poste en ligne de mire, à couvert. Oh, ça sent la roquette, ça sent le mortier, ça. Ouh. Ouh. Allez plus haut. Allez plus haut. Se faire exploser. Oh merde. Les cloches, cloches sonnent. Wow, ils sont nombreux là. Oh. La poste verrouille, il va tirer. Wouah. Je me suis fait enculer par l'hélicoptère. Putain, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Enculé! Antisémite! Putain, j'ai rien demandé, moi! Pas vrai, quoi! Eh ouais, bah il m'a démotivé maintenant, là! Il est 5h53 du matin, là, putain! C'est tête de ragondin là. Oh. Recharge délai moins 8 secondes. Ah, tu peux boost ton délai de recharge. Mais c'est énorme. Caisse d'accessoires, lunettes. Point rouge ruse. Ruse. Point rouge. Putain, j'ai du mal. Point rouge russe. Viseur point rouge russe. Changer de réticule en cours de visée. Ok. Alors là. Il me reste quoi là? Infiltration, ça sert. Ouais. J'ai été obligé de les mettre parce que il faut que j'arrive à avoir mes points là. Il manque pardon. Il manque un point en infiltration, en mine sonore et en vision thermique pour avoir la compétence élite. La charge du drone lui permet de réanimer un coéquipier à activer dans l'équipement. Augmente la portée efficace à 40 mètres. Wow. Donc je vais le prendre. Ah mais j'ai été con. Franchement, à la base, j'ai été con.
Parce que j'aurais dû prendre direct dès que j'ai commencé en fait un point dans chaque pour arriver directement à prendre la dernière. Je sais. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que c'est facile, vous? Eh ben non, c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Résistance aux balles, en plus, je me suis mis. C'est chaud de me faire des trous de balles. Putain. Ah, mais ça va pas dire ça, non? Wow, je vais mettre dans le drone. Voilà. Je vais mettre... De toute façon, ça sert à rien de mettre infiltration dans le drone, parce que franchement, le drone, tu peux l'envoyer n'importe où, personne n'entend jamais. Mine sonore. Le drone émet du bruit pour attirer les ennemis à proximité. Ah, ok. Ah, c'est pas réellement une mine, ok, d'accord. Ah, ça attire les... Ah, ok, c'est pas con, ça. Wesh, Pélo, c'est pas con. Ah, ouais, c'est pas con du tout, quoi. T'as vu, Pélo, c'est pas con. Par contre, je vais changer... Le drone mine sonore. Je vais garder l'IEM. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Alors, en équipement. Parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que j'ai gagné? Pièce. Tac. Oh! Oh non, mais c'est la merde, ce truc là. Il me le met à chaque fois, c'est de la grosse merde. Je perds en précision et en portée. Ah, je préfère garder mon truc, hein, je te le dis. Alors attends, je vais faire par ordre. En fusil d'assaut. Tac, tac, tac. J'ai rien que je peux améliorer. Non. Oh, ouais, mais je l'ai pas débloqué, putain. En mitrailleuse légère. J'ai rien débloqué. En pistolet mitrailleur. Paf paf. En sniper. Mon cœur balance entre les deux là. Entre le M4 A5 et le G28. Non, pas le G28, je dis n'importe quoi. Le SR25. Attends, déjà, je vais aller dans Sniper. Ouais, le G28 est quand même sympa. Pièce, crosse d'usine... Ouais, il est pas dégueu. Franchement, il est pas dégueu.
Ah, mon cœur balance. Mon cœur balance. Franchement, entre le petit silencieux ou la bouche d'usine, là. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai plus le malus, maintenant, là. Même si je mets un silencieux, j'ai plus le malus sur la précision. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas con, ça. Donc entre le G28, alors le M40A5 là, le SR25, le Dragonov SVD et le G28. Ok, attends, je tire une petite latte. Attends, je cherche mon petit briquet. Mon cœur balance, hein, je te le dis. Ouais, c'est parce que tu sais pas jouer, c'est pour ça. Allez, vas-y. Allez, plus attention, haut. Attention, ennemi en vue. En Sicario, allez, plus. Wow, il est dans son Mirador, ce bâtard. Tu sais comment il est mort, le grand-père de Jean-Marie Le Pen? Ah, il est mort dans un camp de concentration. Ouais. Il est tombé d'un Mirador. Non, mais je suis éclaté. C'était une blague qu'on se racontait à l'école. Arrête. Arrête de faire ton arabe susceptible, Momo. Ok, j'y vais. Ah, c'est la vérité. C'est la vérité en plus. Je l'ai aligné. Allez. Boum. Mobile. Boum. T'attends quoi pour le dégommer? Reçu, cible désignée. Voilà. C'est bon, j'ai eu l'unité en patrouille, attention. Ah, tu l'as eu. Putain. Casse toujours les couilles avec le sniper là. Je crois que je vais arrêter là. Parce que là, je commence à voir double, voire triple. Ça commence à être tendu quoi. Non, mais j'appuie sur des touches, c'est pas les bonnes. Attends. Ça dépend ce qu'il me propose comme accessoire, quoi. Propose un god à moteur sur le fusil à pompe, ouais, ça peut le faire quoi. Attraper ces salopes du cartel et leur mettre ça dans le cul. Non mais tu te rends compte de ce que je dis? Après cette vidéo, c'est une vidéo qui va être diffusée et tout quoi. Mais tu te rends compte de ce que je dis? Non mais je vais me faire strike. Non. Faut que j'arrête de dire des conneries. Franchement, ils peuvent bien me strike, j'en ai rien à branler, je te le dis. Sérieux. Bon, parlons peu, parlons bien. Le plus précis, c'est le M40A5 en snipe. Après le SR25, c'est vrai qu'il a une cadence de tir un peu plus rapide. Le Dragonov, il est pourri. Et le G28. Attends. Je vais voir la différence entre le SR25 et le G28.
Attention, c'est une tourette fixe. Franchement, je sais pas. Il y a des panneaux lumineux. Panneaux lumineux par ici. Des panneaux lumineux. À réveiller du monde. Bomba, attaque. Ils nous ont capté. Fermez-la. Ah, mais il est pas... Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Stress, il y a point. C'est vrai que le fait d'avoir un sniper qui était pas obligé de recharger en coup par coup à chaque fois, c'est insane. Vas-y, monte ta tête. Alors. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. Là, on les a énervés. Tiens, il y a des volontaires encore. C'est juste à prendre mon pied. Il va exploser. C'est vrai que franchement le sniper mais la portée est pas faux folle quoi. Ah, j'ai plus de balles. Concentrez-vous, on a de la compagnie.
Attention aux panneaux lumineux. Attention aux civils. C'est pas le moment de tuer quelqu'un sans le faire exprès. Je vois des panneaux lumineux par ici. Baissez vos armes. Inutile de leur foutre la trouille. Ok, zone claire. Attends, il y a un générateur par là. Tiens, dégage le générateur. Non, mais c'est vrai que le sniper où tu peux tirer comme ça là, franchement, c'est abusé. Bah là, en l'occurrence, c'est pas le sniper, mais. Hein, c'est vrai qu'il est c'est énorme quoi. Bah, je pense que maintenant c'est celui-là que je vais prendre. En snipe, hein, le G28. Hein. Mais je m'en bats les couilles des gens. G28. Parce que là, putain, les snipes de fou, quoi, que tu finis par avoir, sérieux, c'est abusé. J'ai déjà des pièces pour certains, quoi. Là, j'ai pièces. Mais bon, merde! En tout cas, celui qui fait le plus de dégâts, le plus précis et qui tire le plus loin, c'est le M40A5. Maniable, cadence de tir. Tac. Oh, je vais prendre le G28. Ouais. Je vais pas me faire chier 10 ans. En arme de poing. Drone, j'ai un drone explosif, IEM, mine sonore, parachute, de toute façon les parachutes ils changeront rien. J'ai pas gagné d'autres caisses là. Oh. Bon les petits gars, je vous souhaite bonne nuit à tous. Portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. On se dit à demain. Et vive la vie, hein. En attendant, j'ai buté quelques civils pour le plaisir.
Contrôle tes cibles, putain, c'était un civil. Je m'en fous. Tiens, à la mitrailleuse. Regarde. Et voilà. C'était un bon moyen de terminer la mission. Bon, allez, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas une chose. Macron, enculé de ta race, va te faire sucer par Benalla pendant que Michel Trogneux s'occupe de t'enculer. Voilà. Allez, peace.